Papy, c'est quoi la liberté ? Chut ! Ne dis pas ce mot-là. Tu veux qu'on ait des ennuis ? Mais pourquoi, papy ? Tu veux que je te raconte l'histoire ? Viens me voir. Nous étions dans une période faste pour notre pays, pour le monde d'ailleurs aussi. Nous vivions dans un monde que l'on pensait libre. Oui. Et puis est apparu le grand sauveur de la race. C'est qui ? Celui qui nous gouverne aujourd'hui. Il est arrivé au pouvoir par les élections. Il a gagné le droit de gouverner. Quel rapport avec la liberté ? Aussitôt qu'il a été élu, certains d'entre nous ont été emprisonnés, d'autres ont été déportés, d'autres encore ont été tués. Nous avons perdu un grand nombre d'amis, tu sais. Pourquoi il a fait ça ? Parce que ces gens-là ne supportent pas la liberté des autres. Ils craignent les gens heureux. Ils veulent que le monde soit à leurs bottes. Obéissant en tout point. Oh, mais vous oubliez un détail, là. Ah oui, lequel ? Nous sommes responsables de les avoir mis au pouvoir. Oui, c'est vrai, tu as raison. Nous savions, mais nous n'avons rien fait. Nous savions quoi ? Les dangers que représentaient ces gens-là. Et nous avons fermé les yeux. Nous avons laissé faire. Nous sommes réfugiés dans une sorte de croyance, pensant que cette issue n'était pas possible. Papy, tu crois qu'Agathe va bientôt revenir ? Ben, je ne sais pas. Peut-être bientôt, peut-être pas. Nous ne savons pas. Moi, je l'aime bien, Agathe. Mais nous aussi, on l'aime, tu sais. Elle nous manque. Elle nous manque à tous. Comme toutes les personnes qui ont été arrêtées. Nous ne savons pas où elles ont été enfermées, si elles sont vivantes. Et nous attendons. Et nous pensons fort à elles. Nous pensons fort à tout le monde. Mais pourquoi c'est comme ça ? T'énerve pas. Parce que si tu t'énerves, c'est qu'ils ont gagné. C'est qu'ils ont mis la peur dans ton cœur. Mais j'ai peur, papy. J'ai peur qu'ils viennent nous chercher. Pourquoi nous devons rester cachés ? On est cachés. Tu sais pourquoi on se cache ? Justement qu'ils ne nous arrêtent pas. Oui, nous sommes en sécurité ici. Voilà. Personne ne nous attrapera. Tu gardes espoir, papy ? Tu sais, quand je ne sais pas quoi penser, je sors sous la pluie, avec mon parapluie. Je sens l'air frais. Et ça va mieux. Aïe. Oh, punaise. Le temps est trop mauvais aujourd'hui. Je pense que je reste avec vous. Oui, mon enfant. Je conserve l'espoir. Une chanson douce que me chantait ma maman. Oh, vous êtes inconscient ou quoi ? Vous savez pas que chanter est interdit ? Comme la poésie, la peinture, le cinéma, je sais. Mais pouvons-nous rester sans réaction face à ce pouvoir ? On peut se lever et dire stop, non ? Au risque d'y laisser sa vie ? Et au risque d'y laisser sa liberté ? Non. On risque de retrouver son honneur et sa dignité. Il n'y a pas de combat illégitime face à la barbarie. Papy, j'ai peur. Moi aussi j'ai peur, mon enfant. Moi aussi j'ai peur. Le chanter me fait du bien, tu vois. Chanter me rappelle des temps heureux. Nous pouvions aller au théâtre et au cinéma. Nous achetions des livres. Il n'y avait pas de censure. Nous ne craignions pas de dire certaines choses, de manifester dans la rue quand une décision nous paraissait injuste. Ouais. Tu vois, mon enfant, la liberté, c'est ça. Faire ce que l'on désire. Il faudrait que ce temps revienne, papy. Je le voudrais aussi, tu sais. Allez, levez-vous là-dedans. Allez, maniez-vous un peu, là. On n'a pas que ça à faire, dépêchez-vous.